J'ai toujours aimé ça. Pour moi, c'est une vocation. J'ai toujours voulu, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais travailler dans un hôpital, je voulais donner des vaccins, je voulais faire des prises de sang. Je le disais depuis que je suis toute petite. J'aime ça être près du client, j'aime ça parler avec les clients, j'aime ça m'occuper, prendre soin d'eux. C'est vraiment beaucoup d'accompagnement, donner de l'amour. Les gens ont besoin de parler. Ma porte est toujours ouverte. Je les appelle souvent, je vais les voir souvent à leur appartement. Ce que j'aime le plus dans le métier d'infirmière auxiliaire, c'est... Il y a tellement de choses, mais c'est surtout... C'est vraiment les résidents. Recevoir un merci ou juste faire une différence dans leur vie, des fois, là. C'est ma paye, vraiment. L'équipe de travail, on est une famille. C'est agréable de venir travailler ici. On a envie de venir travailler ici. On se sent bien. On se sent responsabilisé. On se sent en confiance. Madame Tremblay a fait vraiment sortir le meilleur de nous-mêmes. Moi, je suis de Charlevoix. J'adore ma région. Je suis pas quelqu'un qui aime s'éloigner. Je suis bien dans ma petite routine. Je suis bien dans mon petit cocon, comme on dit, là. C'est pas juste la Malbaie, c'est Charlevoix, tout simplement. On a une belle région pour les amoureux de la nature, du plein air, c'est l'endroit idéal, des paysages à couper le souffle. On n'a pas le stress de la ville, on n'a pas le... c'est tranquille la campagne. Puis ici, le Bâtisseur, comme je vous dis, là, c'est un endroit merveilleux. Infirmière auxiliaire en résidence pour aînés, une profession de cœur axée sur l'humain. Devenez infirmière auxiliaire à la résidence des bâtisseurs La Malbaie.